Départ de la deuxième course, imminent, on prend les mêmes et on recommence, sauf qu'on inverse quand même les 10 premières positions sur la grille de départ par rapport au résultat de la première course. Et on va tout de suite s'intéresser à Shinji Nakano quand même, hein, pilote invité, qui nous dit que c'est la première fois pratiquement qu'il se met dans une voiture GT, puisque lui vient des monoplaces. Voilà, moi je suis vraiment habitué aux monoplaces, donc c'était pas facile pour moi de me lancer dans ce nouveau défi. J'étais un petit peu inquiet, je ne savais pas si j'allais pouvoir relever ce défi. Mais dès la première journée, on a eu pas mal de roulages possibles durant les essais libres. Et franchement, c'était plutôt bien. La voiture est très bien. Au niveau de la puissance moteur, c'est superbe. Les freins sont magnifiques. Non, franchement. Donc je pense que c'est plutôt facile à piloter. Donc il est content, Shinji Nakano. Sur la grille de départ, on va retrouver très très bien placé Richard Denny également. Attention, il peut être un des prétendants à la victoire aujourd'hui et il peut venir gêner cette bataille à venir entre Ragazzi et Monti. Je veux vraiment avoir une course propre et la plus vite possible bien sûr pour être devant. Alors, Romain Monti et Riccardo Ragazzi sont donc forcément, vous les voyez derrière avec les couleurs bleu, blanc, rouge pour Monti et jaune et blanche pour Ragazzi, ils sont en 9e et 10e position sur cette grille inversée. Et justement, nous allons suivre ce départ en caméra embarquée avec Romain Monti qui peut donc aller chercher le titre. Il a besoin a priori que d'un seul petit point pour être titré aujourd'hui champion Maserati Trophée 2015. Oh, attention, il y a du grabuge! Et il y a un pilote qui est allé tout droit, je crois que c'est Riccardo Ragazzi, incroyable mais vrai. Alors là, c'est une sensation, c'est un coup de théâtre. Romain Monti débarrassé dès le début de course de son principal adversaire. 136 points pour lui, 96 pour Ragazzi, ça fait 40 points d'écart, sachant qu'il y a 41 points distribués lors d'un meeting. Donc si évidemment il a plus de 41 points d'avance à la fin de Suzuka, il serait champion, Romain Monti. Et que s'est-il passé pour Ragazzi qui essaie de forcer le passage, et oui, et qui va se louper un petit peu et qui va tirer tout droit. Alors là, incroyable. On ne s'y attendait quand même pas. Ragazzi est out. Et on revoit tout ça avec cette fois-ci la caméra embarquée d'Adrien Delenner. On devrait même encore mieux voir la sortie de Ragazzi. Eh oui. Alors il a réussi en quelque sorte à tirer tout droit et à éviter vraiment un gros strike dans le peloton. Mais en ce qui concerne Ragazzi, bien sûr, le mal est fait. Et c'est terminé donc pour Ragazzi qui, bah, a priori, abandonne tout espoir d'être titré. Parce que là, je vois pas comment Romain Monti ne va pas pouvoir assurer un classement dans les 10 premiers. Et donc ne pas marquer de points. Là, il a un boulevard devant lui, le Français, pour être bien le champion de ce Maserati Trophée 2015. Dès l'avant-dernière manche de l'année, donc, à Suzuka, ici, au Japon. Le fait est que Romain Monti, pour l'instant, n'est pas complètement aux avant-postes, mais il n'en a pas forcément besoin. La course qui a pris ses marques. Et on retrouve cette fois-ci en caméra embarquée Emanuele Smura. Qui est parti en troisième position sur la grille de départ puisqu'il avait terminé 8e de la première course. Donc là, il est dans les premières positions de la course incontestablement. Ah, il sort un petit peu large là. Attention parce que derrière, certainement, il doit être menacé par un autre concurrent. Ah, le contact! Eh oui, il a été tapé là, Smura. Et du coup, derrière, on va le dépasser, bien sûr. Et il peut repartir, mais le mal est fait là. Il a perdu au moins 6-7 places hein, dans l'histoire. Avec même une nouvelle voiture là qui le double, celle d'Andreas Zegler. Alors on est avec Adrien Delenner qui est vraiment notre témoin privilégié. On va revoir comment effectivement ça s'est passé pour Smura, voilà, qui est tapé. Et du coup, Delenner obligé de court-circuiter. Bon, alors Delenner donc toujours là, il est repassé devant Nakano en court-circuitant comme on vous le disait. Sauf que, oui, il est lancé Nakano, donc il le double. Monti également, qui vient chercher l'américano-belge, Adrien Delenner. Donc voilà, Romain Monti de nouveau à la poursuite de Shinji Nakano, tout comme lors de la première course. La bagarre peut reprendre. Alors à ce moment-là, hein, pas de problème, Romain Monti est bien champion virtuel du Maserati Trofeo 2015. Il est dans les 10 premiers, il va marquer des points. Oh, attention, est-ce qu'il y a l'ouverture là sur Nakano? Non, ce dernier lui referme un petit peu la porte au nez.
la bataille fait rage là entre le japonais et le français. Alors le classement à ce moment-là, c'est Alessandro Fogliani au fait, hein, qui est en tête de la course. Mais on s'aperçoit que Romain Monti n'abdique pas face à Shinji Nakano, il veut absolument le doubler. Oh, attention, là, il y a contact imminent, semble-t-il, entre les deux. Ouais, il y a eu contact. Entre l'avant droit de Monti et l'arrière gauche de Nakano, lequel résiste toujours. Ah oui, il est plus rapide, semble-t-il, le français, mais il faut trouver l'ouverture quand même, c'est pas simple, faut pas risquer toutes ses chances alors qu'on est en train d'aller cueillir le titre. Et il va se remettre derrière son adversaire, Monti. Allez, peut-être une possibilité au prochain freinage d'aller chercher Nakano. Ah oui, mais là, il le pousse. Attention, il y a contact. Ah, Nakano dans le décor. Et attention, où est-ce qu'il est Nakano? Est-ce qu'il va pas revenir en piste? Ouais, Romain Monti du coup qui élargit sa trajectoire. Oh là 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 là, contact hein, quand même entre les deux avec un pilote qui va dans le décor. Est-ce que la direction de course quand même ne va pas dire quelque chose là-dessus? Alors en caméra extérieure, voilà le contact. Nakano dans l'herbe qui revient sur la piste. Ah, qui est quand même heurté par Carlo Curti. Et de nouveau, en tant que spectateur privilégié, Adrien Delenner. Et oui, on voit Romain Monti qui pousse quand même Shinji Nakano. Et quand il revient sur la trajectoire, Shinji Nakano, il est évité de justesse par Adrien Delenner. Mais donc, on a bien vu que derrière, Carlo Curti, lui, ne l'a pas évité. Du coup, ouais, c'est logique. Safety car, tout comme lors de la première course, eh bien, on neutralise. Alors donc là, attention, c'est important ce qui se passe parce que nul doute que cet accrochage n'est pas anodin. Shinji Nakano, voilà, qui est sorti de sa voiture. On va évacuer également celle de Carlo Curti, numéro 81. C'est dommage pour Nakano. C'est dommage surtout que cette belle bataille, Nakano qui remonte dans sa voiture, mais c'est sans doute pour mieux l'évacuer. C'est dommage que cette bataille se termine ainsi. Certainement qu'il y avait une crevaison sur la voiture de Nakano et qu'au freinage, donc Romain Monti a été un petit peu surpris. Il est venu s'appuyer sur Shinji Nakano et hélas, le japonais est allé dans le décor. Mais donc c'est évident que la direction de course va avoir son mot à dire. On avance de quelques minutes, on va aller directement au restart. On est avec Emmanuel Esmura, qui a donc connu bien des malheurs tout à l'heure, mais il est toujours là en course. Mais gardons à l'esprit qu'attention, pour le titre, là c'est peut-être très important ce qui vient de se passer, parce que sans nul doute Romain Monti va recevoir une pénalité. Et un drive-thru, est-ce que ça ne va pas le mettre en dehors du top 10? Pendant ce temps-là, Fogliani gagne la course. Et oui, superbe performance de la part de ce jeune Italien. C'est sa première année en Maserati Trofeo. Il remporte sa première victoire dans la discipline. Mais derrière, regardez, nous sommes avec Adrien Delenner. Effectivement, Romain Monti a reçu l'ordre d'un drive-thru. Il avait 3 tours pour le faire, il ne le fait pas. Il rentre au stand à ce moment-là. Sauf que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée. Donc ça y est, là, Adrien Delenner l'a dépassé. En fait, Romain Monti aurait dû s'arrêter en drive-thru, on va dire, dans les 3 tours qui ont suivi la notification de sa pénalité. Ou alors, il allait au bout et on lui ajoutait 25 secondes au temps de sa course. Voici maintenant l'image de la part de Romain Monti dans sa voiture. Donc, il ne le sait pas manifestement qu'on est dans le dernier virage de la course. Sinon, il ne serait pas rentré au stand, bien sûr. Donc, il y va pour son drive-thru. Sauf qu'à ce moment-là, c'est trop tard. Et vous allez voir ce qui va lui arriver au bout de la ligne droite des stands. Et bien celle-ci est fermée, bien sûr, parce que la course, elle vient de se terminer. Donc Romain Monti, en quelque sorte, est complètement piégé. Et selon nos calculs, s'il était resté en piste et si on lui avait ajouté 25 secondes à son temps de course, il se classait 10e. Il marquait donc ce fameux point nécessaire pour être champion. Or là, regardez, le feu est rouge, il ne peut plus sortir. Il n'est pas dans le top 10, il va terminer 11e de la course, Romain Monti. Il ne marque pas de points, il n'est donc pas officiellement, toujours pas officiellement, champion Maserati Trofeo 2015. Incroyable, le coup du sort, le coup de théâtre, hein, franchement, qui accable Romain Monti. Écoutez avec la discussion avec son équipe. Comment tu veux que je
je sache. Eh oui, il ne le savait pas hein, qu'il fallait qu'il s'arrête en trois tours. En tout cas, et surtout, il ne savait pas que l'arrivée allait être jugée à ce moment-là. Donc, confirmation du classement. Fogliani, West, Delener, Denis, Murat, Yazzetti, Giudice, Fascicolo, Schotzen, Fumagelli, Perlini. Eh oui, il manque Ragazzi, il manque Romain Monti, il manque Nakano à l'appel. Incroyable résultat. Mais en tout cas, voilà la joie d'un jeune pilote qui va vraiment faire plaisir. Bravo à Alessandro Fogliani qui donc inscrit son nom désormais dans le grand livre d'or du Maserati Trofeo. Voilà, et sachez qu'Alexander West, pilote en provenance de Hong Kong, qui se classe deuxième lui aussi, c'est une première pour lui. Donc c'est un podium véritablement surprise. Mais l'information principale, c'est donc que Romain Monti, non, n'est pas champion encore de la catégorie. C'est ma première année dans la catégorie. Évidemment, je gagne aujourd'hui, je suis très très content. J'ai pris un bon départ, j'ai attaqué dès le début. Il y a évidemment le safety car, un restart à négocier. Mais tout est bien qui finit bien. Ouais, cette catégorie, le trophée est fantastique. C'est incroyable. Thank you very much. Merci. Voilà la joie légitime d'Alessandro Fogliani. Donc 40 points d'écart pile entre Monti et Ragazzi. Il y aura 41 points à distribuer à Abu Dhabi. Parole maintenant à Alexander West. Superbe performance. Bravo à Fogliani qui a fait une superbe course devant. J'ai rien pu faire pour aller le chercher. Il n'a pas fait une seule erreur. J'étais prêt à recueillir les fruits de cette erreur, mais il n'en a pas fait. Mais c'était bien amusant. Et voici Adrien Delener, troisième. Ah, le circuit, il est fabuleux. Et aujourd'hui, c'est un bon résultat pour moi, troisième. J'étais parti septième, il y a eu le safety car. Je termine troisième. C'est un bon bilan. Alors, on m'a un peu retardé à la fin, c'est une chose de revenir, une autre de dépasser, mais bon, troisième, c'est un bon bilan. Donc voilà la conclusion donc, de ce meeting de Suzuka, et donc eh bien, il faudra vraiment aller à Abu Dhabi pour voir qui est bien le nouveau champion de l'année 2015. Allez, on se quitte là, merci, et donc rendez-vous à très bientôt pour la conclusion de cette saison. Salut à tous.